Salut à tous supporters, supportrices du FC Lorient. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et oui mes amis, aujourd'hui je prends la direction du stade du Moustoir pour la rencontre entre Lorient et Dunkerque. Match qui aura lieu à 20h30. Nous on va se retrouver dans quelques instants au village du FC Lorient. Mes amis, ça y est, me voilà arrivé au village du FC Lorient. Donc vous pouvez voir derrière, voilà, le village est installé. Donc nous on va se retrouver dans quelques instants à l'arrivée des joueurs du FC Lorient. Allez les gars, allez, allez. Les amis, ça y est, me voilà arrivé dans le stade, ça y est, comme vous pouvez le voir. Je suis aux abords du terrain, comme vous pouvez le voir derrière moi, la pelouse est magnifique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un peu plus loin, les gardiens du FC Lorient qui sont partis à l'échauffement. Donc nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la sortie des joueurs à l'échauffement. Allez les gars, allez, allez. D'encourager nos joueurs qui sont présents ce soir, qui vont tout donner une fois de plus pour enchaîner une 5e victoire à domicile. Supporters, supporters, faites-nous du bruit pour les joueurs du Football Club de Lorient pour le début. C'est parti.
Égalisation! Égalisation de Lorient! On joue à l'économie en jeu! Superbe action collective du départ! Il s'agit de notre numéro 1! Les amis, c'est la mi-temps au stade du Moustoir. Lorient est mené par Dakar 2-1. Après la mi-temps très compliquée, Dakar qui a dominé Lorient a une énorme difficulté, beaucoup de déchets techniques. Vous pouvez voir des remplacements côté Lorientais, il va s'attendre des changements côté Lorientais peut-être à la mi-temps. Voilà, nous va se retrouver pour cette deuxième mi-temps. Et le premier lâche ce but jusqu'au bout, allez les gars, allez. Thank you.
Mes amis, je quitte le stade du Moustoir. Lorient s'est imposé 4 buts à 2 ce soir face à Dunkerque. Donc nous, on va se retrouver dans quelques instants pour débriefer cette victoire entre Lorient et Dunkerque. Oh, j'ai entendu dire qu'il y avait eu le 5-5 victoire ce soir face à Dunkerque. 5-5. Et le 5-5, mes amis, débriefing de ce match entre Lorient et Dunkerque. Lorient s'est imposé ce soir 4 buts à 2 face à Dunkerque. Donc bien sûr, on va revenir de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Lorient pouvait compter sur le retour de Julien Laporte, de Joël Mouka, Pablo Pagis. Ah, c'est le retour de notre numéro 17, Jean-Victor Makengo. L'absence de trois joueurs cette fois-ci. Il s'agit de Eli Junior Kroupi, de Montassa Talbi et de Gédéon Kalulu blessé. Olivier Pantaloni a donc changé son dispositif en mettant exactement le même que face à Rodez. Seul changement sur le terrain, la titularisation de Joël Mbunka, la titularisation de Julien Ponceau, ainsi que Mohamed Bamba et Sambou Soumano. Lorient, en premier mi-temps, a eu énormément de difficultés à se lancer dans cette rencontre. Dunkerque a mis tout de suite le jeu en place. Et Lorient va commettre énormément d'erreurs, notamment dans le marquage, notamment dans les ailes défensifs. Et puis à la sixième minute de jeu, Lorient sur une mauvaise relance et une erreur de marquage. À la sixième minute de jeu, Lorient va se faire punir sur un contre-attaque et un manque de marquage de la part de la défense lorientaise. Donc 1-0 pour Dunkerque. Ce n'est pas fini puisque Dunkerque continue à enchaîner les occasions sur les buts de Lorient. Olivier Pantaloni hausse le ton et hausse demander à ses joueurs de mettre beaucoup plus d'intensité et de mettre les ballons vers l'avant. Chose faite puisque à la 25e minute de jeu, Julien Ponceau fait une passe décisive pour Joël Mbunka. Joël Mbunka qui égalise. Un but partout, Lorient se dit alors, Lorient va continuer à égaliser, à avancer vers le but, à se montrer des occasions. Et ben non, Lorient continue ses erreurs de relance et ses erreurs de passe, notamment Igor Silva qui a eu beaucoup de difficultés ce soir. Et à la 44e minute de jeu, Lorient va une nouvelle fois se faire punir sur une erreur de relance et une erreur de marquage. Et ça fait 2-1 pour Dunkerque à la mi-temps. 2-1 à la mi-temps. Olivier Pantaloni n'est pas du tout content de la première mi-temps qu'ont effectué ses joueurs. Olivier Pantaloni envoie quand même des joueurs à l'échauffement. Aucun changement n'a été effectué lors de cette mi-temps. Olivier Pantaloni, Lorient repart donc sur le même 11 de départ. Et puis, changement de visage au Moustoir pour les Merlus, puisque Lorient sort du vestiaire et montre une deuxième mi-temps beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif. Et à la 54e minute de jeu, Lorient est libéré avec le but de Sambou Soumano. Donc égalisation pour Lorient à 2 buts partout. Et Lorient va continuer à faire son jeu, à effectuer 5 contre-attaques. Et à la 59e minute de jeu, penalty pour Lorient. Penalty malheureusement raté par Mohamed Bamba. Lorient, ce n'est pas fini puisque Olivier Pantaloni effectue des changements. La sortie malheureusement sur blessure de Mohamed Bamba. Mohamed Bamba qui s'est blessé ce soir. Et on espère que voilà, ce n'est pas trop grave pour Mohamed Bamba. La sortie aussi de Joël Mouka, la sortie de Mbong et la rentrée en jeu de Jean-Victor Makengo, la rentrée en jeu de Tosin à la place de Joël Mouka, à la place pardon de Mohamed Bamba. Lorient va continuer à se montrer des occasions, à se montrer des actions. Et à la 76e minute de jeu, coup franc pour Lorient.
Lorient fabrique son coup franc. Et Érico Pincé but de la tête de Tosin qui marque le but du troisième but pour Lorient. Donc 3-2 pour Lorient. Ce n'est pas fini puisque Lorient, 5 minutes plus tard, va complètement tuer le match avec le quatrième but signé Sambou Soumano sur un centre de Tosin cette fois-ci. Lorient va continuer à se montrer agressif et puis fait de jeu dans le temps décidé. Carton rouge pour Dunkerque, le joueur dunkerquois qui effectue un tacle très dangereux qui aligne quand même une action de but et qui a été exclu par l'arbitre Pierre Gayouste, ce soir l'arbitre de la rencontre. Et Lorient va continuer à défendre la rentrée en jeu de Julien Laporte qui remplacera Igor Silva. Igor Silva qui a eu beaucoup de mal mais qui s'est beaucoup plus donné en deuxième mi-temps. Et Lorient va donc s'imposer ce soir 4-2 au Moustoir. Mes amis, bien sûr, on va parler du prochain match qui aura lieu au Moustoir. Et on va se parler un peu du scénario de Lorient en première mi-temps. Lorient en première mi-temps a eu beaucoup de difficultés. Notamment, on le sait tous, c'est vrai que depuis quelques matchs, quand même, on a du mal à se relancer dans les duels, à faire beaucoup d'erreurs. On fait une mauvaise passe derrière et derrière, les équipes en profitent. On sait qu'on est la bête noire de cette équipe, pour cette équipe de Lorient. On sait que, voilà, on est la bête noire de Ligue 2. Et voilà, on sait que toutes les équipes, voilà, veulent nous défier, veulent nous faire mal. Mais voilà, Lorient a toujours le dernier mot. Mais une fois de plus, va falloir que Lorient raide, mes amis, les coups de pied arrêtés. Parce que les corners, c'est plus possible. C'est pas des corners, c'est des passes en là, même pas en cloche. En donné, va falloir que Lorient raide ce problème-là. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, si tout se passe bien, nous, on va se retrouver dans 15 jours pour, mais pas la semaine prochaine, pour le derby. Match qui aura lieu à 14h à Lorient-Guingamp. Je vous invite vraiment, mes amis, à venir nombreux au Moustoir pour soutenir les Verlus. Et ils ont besoin de nous, mes amis, pour soutenir Lorient et pour voir le match face à Guingamp. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi au Moustoir. Vous pouvez continuer à venir vous abonner, à voir des matchs au Moustoir. Allez, les gars, faut venir vraiment au Moustoir. N'hésitez pas aussi me suivre encore sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à la partager. On se fixe bien sûr aussi un objectif, mes amis. On va essayer d'atteindre la barre des 500 abonnés avant la fin de l'année 2024-2025. Voilà, on le vise ensemble. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va se retrouver samedi prochain à 14h au Moustoir pour le derby face à Guingamp. Prenez soin de vous, t'as tant été fier. Allez, regarde.